Pierre Palmade a été transféré ce dimanche après-midi vers l'hôpital Marine Lalongue au Plessis-Robinson. Il restera durant 48 heures pour des examens complémentaires. L'établissement des Hauts-de-Seine se présente comme un centre d'excellence dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur, du nouveau-né à l'adulte. Ce transfert d'hôpital s'est fait sous escorte policière, comme l'a constaté un des journalistes sur place. La batterie d'examen que doit y effectuer le comédien de 54 ans est en lien avec son accident vasculaire cérébral survenu le week-end dernier. Jusqu'alors, il était soigné à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre dans le Val-de-Marne. Depuis lundi, l'humoriste a commencé une détention provisoire depuis son lit d'hôpital avec la notification de son mandat de dépôt et de sa mise sous écrou. Son changement de statut s'est traduit notamment par une garde postée devant sa porte.